Ah bonjour, plus 10 minutes. Super. C'est bien vous qui m'avez demandé de venir là pour un rendez-vous? Oui, c'est pour la recherche de Gibbs. Les recherches se passeront demain à l'aube. Ben, je suis pas lève-tôt, je vous préviens tout de suite. Tu sais, moi non plus. Hein. Du coup, on va rechercher votre ami Gibbs qui a été kidnappé, c'est ça? C'est ça. Okay, ok. Il a été kidnappé dans le domaine du coco. Je connais ça. J'y ai été éjecté il y a quelques mois. Ah. Tiens, on aura besoin. Merci. On va dans le bateau? Ouais. J'ai une petite surprise pour vous d'ailleurs. Allons-y. D'ailleurs, pour me présenter, moi je suis l'acolyte. Vous, je sais que vous êtes Flo Sparrow. D'ailleurs, tu sais par où entrer dans le domaine du coco? Ben, j'y suis déjà allé et moi je suis entré par l'entrée nord. Là où il y a de la neige. D'accord. Mais par contre, il faut bien s'habiller. Moi, j'y suis déjà allé, mais ça a dû changer. C'est bien. Suis-moi, c'est par là. Ah, bah, tu connais, toi? Bah ouais, je connais tout. Ah, c'est là. Alors, c'était quoi ta surprise? Ton père t'a laissé des écrivains. Je voulais tester. Alors, ça me va bien? Mais c'est pas tout, regarde. Il y a des bottes. Même un tricorne. Regarde. Mets-le. Savais-tu que sans chapeau, un capitaine n'en est pas un? Alors, ça me va bien? Oui, mais il n'y a pas que ça. J'ai découvert aussi qu'il y avait une carte. Une carte du domaine du coco. Ton père te l'a légué aussi. Regarde, c'est ça, hein? Domaine du coco. Ah ouais? C'est la carte? Pour y aller, tu devras passer les épreuves des héros. Mais tu viendras avec moi, non? Bien sûr. Après, le passage de haut vol et combattre la flotte du coco. Pour arriver après à la base du coco où tu récupéreras Gibbs. Mais Gibbs, il est où? Avec le coco dans sa base. Il faudra en passer des épreuves. D'accord. On ferait mieux de dormir puisque demain, c'est une grosse journée. J'arrive pas à dormir. Il est sympa ce Flo Sparrow quand même de m'avoir prêté sa cabine. Enfin, la cabine de Gibbs. Il y a quelqu'un? Je vois de la lumière. Oui, c'est la colite. Ah, c'est toi? Tu dors pas? Non, je dors pas, j'arrive pas à dormir. Tu sais, ça me tracasse, là, demain, devoir aller combattre, là, dans l'épreuve des héros. Tu sais, je vais te dire une chose. Une fois qu'on est sur le terrain, on est sûr de soi et on n'a plus peur. Merci de me rassurer. Maintenant, j'ai plus envie de jouer. Tu veux qu'on joue au 421? J'ai des dés. Qu'on mise mon paquet d'argent. Allez. Ah, pas de chance, 421. Ça veut dire que le coco arrivera et attaquera. Tu me rassures pas, la Flo Sparrow, tu sais. Relance les dés. Bon alors, moi, je reprends mon paquet d'argent. Bon oui, t'inquiète pas, ça va aller. Tu fais partie de la famille, maintenant. Ah, merci, la famille des Flo Sparrow. Merci. Je me sens comme si c'était Gibbs, là. Je suis trop heureux. Ouais. Bon, quand il rentrera, je devrais lui rendre sa chambre. Oui. Bon, allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Réveille-toi! Famille d'équipage! J'ai peur de dormir! Oh! Je me retrouve un peu là.
C'est bien ici que ta carte là, elle nous a emmené. Oui, ça indique qu'elle vient épreuve des héros. Épreuve des héros, bon, ok. Bon, allons-y. Du coup, tu penses qu'il va se passer quoi dans cette épreuve? Ben, je sais pas, en tout cas, la carte, elle nous prend pour des héros, hein. Épreuve des héros, ça signifie quelque chose, non? Faut que tu te prépares au pire. Ok. J'ai récupéré un bâton dans la forêt, là-bas. Ok, moi j'ai une épée. Allons-y, du coup. Moi, je me déroulais, mais je me repose un peu, hein. Wow, une flèche! Acolyte! Je crois qu'on a collé notre épreuve. Je crois que c'est même des hindous. Plus de flèches. Tirez sur la police. Allez. Tirez dessus, non. Ne touchez pas à Flos Paro, ok? Stoppez les tirs. Ah bah, il était pas trop tôt, hein. Ici et vite. Vous ne partirez pas.